My Godness vient de sortir un nouvel add-on. Alors vous connaissez Grand Utopia. Il y a l'add-on My Gotopia, donc qui est au nord de la map et qui est en train de se développer. Et là il fait un nouvel add-on qui s'appelle, vous l'avez vu dans le titre, Akokan Island, une île un petit peu de type cubaine. Et c'est réservé pour ses membres Patreon. Et nous avons l'exclusivité sur la chaîne Mkolo de pouvoir aller voir ça. Et ça vient d'être publié aujourd'hui, donc on va pouvoir un petit peu découvrir. Et ça va être génial. Donc moi en plus je lui ai dit, l'ambiance cubaine, Cuba, moi j'adore. Et ça va faire penser à ça, voilà, une petite île tropicale. On est à Melan. Nous avons My Gotopia là-haut. Et nous avons Akokan Island juste ici, avec Port Mélie. Oh, ouh, ça va être bien sympa ça. Oh, ça va être bien sympa, j'ai hâte. On a allumé lumière. Voilà les gars, cette chance, et oui. Du coup on est parti. On est donc au sud de la map, à Ilif de Grand Utopia, et on part direction Port Mélie, donc l'île d'Akokan Island. Et donc cette partie du live là actuellement que vous regardez, elle sera ce sera l'objet d'une nouvelle vidéo qui sera en 2K. Tu vas devoir faire demi-tour. Pourquoi je vais devoir faire demi-tour? Ah oui, vous avez raison. Je pourrais me faire coucou à moi du futur. Exactement. Donc Sam, si tu repasses par là... Faut aller où là, hein? Ok, on va suivre la route. Terrible. Hop, la barrière, c'est comme ma bite. Non! Oh non! Pardon. Ça va être bien sympa. Oh, la blague de routier. Eh oui, mais moi je m'inspire des meilleurs. Je m'inspire des meilleurs, que voulez-vous? Tu penses que tu pourras faire la livraison ou il faut livrer dans le cargo? Ça c'est à Rombas, je sais plus où c'est Rombas, mais du coup c'est à Rombas, voilà. Allez, let's go! Direction Port Mélie, on embarque! Ça sort tout seul, c'est comme... oui, bah c'est comme tout quoi. Nous sommes arrivés à Port Mélie, on va se faire un petit itinéraire. Un petit itinéraire, je ne sais plus parler. Déjà on va passer par là les amis, ça va de soi. D'accord? Et on va se permettre... Ah, mais ça nous demande de faire un demi-tour, donc on va pas spoil. Mais on va passer par là quand même. Voilà, comme ça on va débloquer les deux points d'interrogation. Mais surtout ça nous permettra de faire un petit détour. Et d'explorer un petit peu. Mais on va pas tout faire. Donc bienvenue dans une ambiance un peu tropicale normalement. On va être un peu sur une île. Ouh, ah ouais. Non, attendez. Attendez les gars, non, ça peut pas se passer comme ça. Rima, rima. Cuba libre. Voilà. Oh, c'est pas mal. Là, on va se faire plaisir. Champagne! Je sais pas s'ils boivent du champagne à Cuba. Avec la musique, ça va bien. Hey. Gougaram, Tagada Fadi, Jajo, Port Mélie. Oh lolo lolo. Oh lolo lolo lolo. Cuba, ouais, c'est plus cigare, rhum. Parce que champagne, c'est chez nous le champagne, les gars. Là, on va en profiter un quart d'heure, vous le voyez sur le GPS. La musique, elle régale, hein. Après, vous savez que j'adore ces musiques comme ça, moi. C'est génial. Riba! Bon, c'est de la musique libre de droit. Mais ça reste quand même l'ambiance que j'aime, quoi. Ça y est, j'ai envie de me... Je fume pas, les gars. Hein. Mais j'ai quand même... Je me vois bien avec un petit cigare, quand même, tu vois. Et le chapeau. Viva Libertad, quoi. Non, non, 15 minutes dans la vraie vie, Antochas. Parce que Grand Utopia, c'est une map à échelle 1-1. Donc en fait, c'est le vrai temps que tu vois. Port Mélie découverte. Let's go! Il y a beaucoup de détails là. C'est génial. Attendez, vous avez trouvé un nouveau point d'intérêt. Oh yes, on va voir une cinématique. Let's go. Oh les gars, là on nous régale, hein. À la fin de la livraison, il va nous faire un petit déhanché. Eh, spoil pas tout, Margot. On coupe le moteur. Let's go. Je me suis trompé de bouton. Il y a du soleil et des meufs. La musique est tellement bonne, tu peux la mettre à fond. Let's go. J'ai envie de sauter dans l'eau. Trop
trop beau. En vrai, cette musique dans ton parc, ça ferait stylé, j'avoue. Salut Deadshot, salut Jonathan, merci beaucoup. C'est génial, beaucoup de détails. Ah ouais, c'est une tuerie Grand Utopia, sans déconner. Mais carrément, les gars. Envoyez de la force à My Godness, les frérots, vraiment. Hein. C'est tout ce qu'ils méritent, quoi. Ça me donne envie de rouler, là. Nice! Si ça vous redonne envie de rouler, les gars, ça, ça fait kiffer. C'est le but du jeu, les gars. C'est totalement le but. Par contre, les Dodan, frérot, c'est un autre univers. Hein. Ne fumez pas, bien sûr. On va tous à Cuba l'an prochain. Rencontre abonné à Cuba. Moi, à voir, ça a juste envie de prendre un Patreon pour le up de ouf. Ça, c'est sympa, Léox. Ça, c'est un grand soutien que tu peux faire pour lui. Ah, je touche pas de commission. Non, mais vraiment, voilà, c'est juste génial, quoi. Mcolo qui se lâche. Ah, ça fait plaisir. Bah, je répéterai hein, tous vos compliments, les gars. Je les répéterai à My Goodness, hein, clairement. Pourquoi tu veux pas tout visiter? Alors, en fait, bah déjà, c'est pas très grand encore pour le moment. Et comme c'est sorti aujourd'hui, ce serait dommage de tout spoil d'un coup. Donc en vrai, Wouah, j'adore! Stop. Miniature. Bon, ce sera peut-être pas la miniature, mais je sais pas, j'aime trop là comment ça rend, mais je vais pas réussir à rendre comme je veux. Ah, le retour des éoliennes. Oh là, je vais vite. Oh là là, pardon. Oh mamma mia. Oh, c'est un Renault en plus, le point d'interrogation, j'ai trop le seum. Tout ça pour ça, eh. Oh, et les bagnoles, ça va trop bien avec. Alors, c'est pas voiture de Cuba, mais genre les anciennes voitures comme ça, ça va trop bien avec l'ambiance. Genre, voilà. Les gars, on est vraiment à Cuba, quoi. J'aime bien parce que je suis en train de vendre le truc en disant que c'est Cuba, mais il avait pas l'ambition de recréer Cuba. Hein. Attention, hein. C'est juste que moi, ça, quand il m'a expliqué le truc, il a dit que c'était tropical, machin, et du coup, moi, ça me ferait penser à Cuba, quoi. En tout cas, ça me ferait penser à Far Cry, quoi. J'aime du bon jazz, un solo de saxo, le bonheur. Et ouais. Le saxo, c'est comme la sodo. Je vais pas spoil parce que les hauteurs, ça risque d'être bien sympa. Ce sera pour une autre vidéo, les gars. Je suis désolé. Ce sera pour une autre vidéo. Je me laisse l'exclu de l'avoir en vidéo, d'accord? Parce que... Et ce sera plus sympa en deux cas aussi, tu vois. En vrai. On a déjà pas mal vu en live là. Wesh, comment il me passe devant lui? Malade. C'est qu'il a pas marqué stop lui, eh. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce coup de... Non mais c'est quoi ce... Oh! J'ai failli me faire prendre un sandwich. Oh là là. Merci My Goodness, hein. Franchement, et un grand bravo à lui, un grand GG. Hein. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? Ah pardon, je dérange. Pardon, je savais pas que je dérangeais. Bientôt Danse avec les Stars, tu m'étonnes. Je vais peut-être rencontrer l'amour, qui sait. Merci à tous les gars, rediffusion. Ah oui, oh oui, tout ça, ça va être en rediffusion intégrale. Oh là là, c'est chiant.